Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en bateau, je suis avec Alexis qui est juste là. Et aujourd'hui on va se faire une petite session recherche cendre en verticale. On va essayer de faire du cendre vertical et linéaire. Et on a un petit coup du matin qu'on va pouvoir faire en linéaire. Et ensuite on va faire un peu de vertical et un peu de linéaire pour changer. Et essayer de voir où sont les poissons, l'eau est assez trouble, du coup on devrait les trouver pas trop profond. Il y a une cinquantaine de centimètres de visibilité, donc c'est pas mal pour les cendres. Et cette session, ça va être l'occasion de tester cette nouvelle canne que j'ai, que vous avez pu voir déjà dans quelques précédentes vidéos. Donc le moulinet, c'est le même que je vous avais présenté quand j'ai fait la session truite. Et la canne, c'est une Yashe Shimano en Zunder vertical. Donc une petite canne en 10-30 grammes si je me souviens, ou 7-28 grammes. Donc spécialisée verticale, donc assez courte, 1m80, un bon petit bâton, donc nickel pour ce que je recherchais. Donc ça va être l'occasion de tester ça. Donc on va essayer de trouver ça, trouver une pêche et on vous emmène avec nous. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec ça. Bien léger. On va voir si je suis trop léger ou pas. Je suis en 5 grammes, 6 grammes. Je vais mettre les gants moi. Oh, je l'ai mis. Commence là le matin sur un petit linéaire. On a le bateau dans 6 mètres. On va voir s'il y a des cendres qui chassent. Oh, il fait un bruit ce moulin avec le froid. Que okay. Oh, le père. Ils y sont. Oui, ils y sont. Oui. J'ai pris la touche dans 4 mètres. Premier lancé, tu vois. On est sur un cargo. Il me l'a déchaussé. Bon, voilà. Allez, allez ici. Tiens au crank. Joli. T'es sûr qu'au crank le matin. Mais ça me tombe. Putain, il est énervé. Il a la couache. Il a la couache celui-là. Joli. Ouais, joli. Yes. Non, après je mouille. Mec. Yes. J'ai un petit poisson. Cool, c'est plaisir. Ouais, je vous laisse. Oh. Vraiment, c'est bien. Ouais. J'ai pas eu la touche de ce ferrage là. J'ai pas eu un bon ferrage. Quasiment sous le bateau. Dans 5. Je pense que j'ai pris la touche dans 5. C'était pas franc, hein, c'était saisi quoi. Je touche. Oh, il m'a cisaillé la queue. Ah non, j'ai les traces à la tête. Il était correct. Hein. Il a tapé là entre le bout de la tête plombée. Et... C'était pas coffré quoi. Allez, c'est parti pour la verticale. Là, je l'ai pas passé, je l'ai vraiment bien avant. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est gros en plus, non ? C'est une grosse brémasse que tu vas nous faire, Alexis. Dessert, hein, fais gaffe.
Alexis, voilà. Tu vas nous faire une belle plaquette à la gambe. Oh, j'imagine même pas la taille de la plaquette. C'est sûr, c'est soit une grosse perche, soit une grosse brune. J'ai pris contact sur au fond, j'avais déjà. Fais gaffe, c'est pas bon, t'es épais. Mais c'est énorme! Je sais pas ce que c'est. Alors, après la canne, elle est super maillée. Ouais, mais quand même. Je prends une épuisette, c'est bon. À la gambe. C'est une grosse plaquette que tu vas nous faire. Oh! Enculé! À la gambe! Enculé! Il est piqué à la neuf! Enculé! Alexis! C'est un sang! Il est mort! Eh ben, on va arrêter le pécho là! Hein. Oh putain! Allez, on est parti, photo! Ah bah ouais, la photo, j'ai l'appareil photo! Enculé ce bordel! Eh bah ouais, là on cause, hein. Yes. Là ça cause. Ouais, il était posé au fond, il a la vase sur le ventre. Ouais, 84. Même plus, non? 85. 85. 85. Tiens, yes. Tu me le remontres? Ouais. Je partage. Il est pas gonflé en plus. Non, il est pas gonflé. Il y avait... Je sais pas pourquoi il repère pas. Ah. Voilà. Ouais, non, là il a l'air bien reparti. Il fallait le temps qu'il reprenne ses esprits. Ouais, pourtant, je prends les touches. Il faut être tout doucement. Putain, encore. Ouais. Ouais. Il faut aller doucement. Bon, j'avais plus de batterie. Je viens de la changer, j'ai pris une touche et je le décroche. C'est que des petites touches empêchant sous les boules de poisson blanc. Bon, on continue, on va voir si on arrive à en rentrer quelques-uns. Hein. Mais c'est pas coffré quoi. C'est... Chaque fois on les monte sur quelques mètres et puis ils décrochent. Ouais, j'arrive. Ouais, j'arrive. Lui il compte. Oh ta mère. J'arrive, on arrive, on va te faire la photo. Je vous emmène la plus bien. Oh, une vache mon pote. Ils partent. Ils sont les gros aujourd'hui. C'était mérité là ça. J'ai eu froid aujourd'hui. Oh, mais t'as le coffret. Ouais, ouais. Rangé. Bon, je le décroche ouais, pas. Après, vas-y, c'est pas grave. Combien ça fait, ça fait 78. 78, ce fiche. Je filme aussi, là. Super. Un beau fiche. C'est plus, ça. En plus, il a pas dans les sons, reste. Oh. C'est beau, ça. Cool. Yes. Merci, les gars. Ouais, avec plaisir. Un peu plus ou un peu moins. Putain. T'as failli prendre la canne à la gueule. Il est énorme, mais c'était un poisson. Copain. C'est une perche ça à tous les coups. Voilà. Ah, je suis abonné aux perches.
Rangé. Yeah, c'est cool. Belle petite perche. Donc là, je passe avec un black minnow pour pêcher en linéaire. Du coup, Alexis va pas très vite. Un peu plombé là, je fais le cassant en dents de scie un peu plus vite. Avec quelque chose d'un peu plus agressif. Toujours sur du coloré chartreux, visiblement, c'est ce qu'ils veulent. Putain, je fumais pas, quoi. Bon. Je fumais pas. Bon, bah, je me suis fait couper avec mon black minnow. Donc, je vais remonter un. Le problème, c'est que j'étais en 18 grammes, là, j'ai que du 12 grammes. J'espère que ça va. Je vais réussir à avoir la même action. On va voir. Sinon, j'ai pas de 18 grammes. Bon, on remet la même chose. Et on recommence. Je l'ai piqué. Ouais. Oui, tu t'es fait niquer. Tu vas faire un mode. Allez, lâche-moi ça. Coquinou. Hein. Ah, les petites dents qui se sont dans les doigts. Ça va marcher, c'est les petites. Un baby zender. Hein. Tac. Bon, ben voilà, fin de cette journée qui s'avère plutôt pas mal finalement. Plutôt pas mal, dur, mais. Ouais, dans l'ensemble c'était dur. Beaucoup de poissons loupés, décrochés, mais quand même au total quelques poissons sortis. On fait une douzaine de poissons, je pense. Une bonne douzaine de poissons sortis. Donc ce cendre magnifique, là. Phénoménal d'Alexis 85. Sur. 85, ouais, sur un truc. Pff, à la nymphe, quoi, avec une larve de chironome à la gambe. Pour essayer d'attraper un gardon, pour essayer de pêcher au fireball, qu'on n'a pas réussi à faire d'ailleurs. On a pêché couleur du coup. Et il attrape ce cendre avec ça. Magnifique cendre, ouais, voilà. Donc il y avait des gros poissons dehors aujourd'hui, donc c'était bien sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, le petit like pour ce gros poisson pour aller d'Alexis. Le petit partage et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao, ciao.